Dors-tu? Non, je ne dors pas. Pourquoi ne dors-tu pas? Parce que j'ai un gros problème. Mais que t'arrive-t-il? Peux-tu me promettre que tu tiendras ta langue? Oui, je le jure sur la tête de Snoopy. Allez, dis-le-moi. C'est ma maman. Elle est décédée? Non, c'est pire que ça. Elle s'est fait violer? Non. C'est bien pire. Elle est enceinte? Non. Eh bien, accouche. Ma maman veut que je fasse de la gymnastique rythmique et sportive. Ça perd l'hypopète, mais que vas-tu faire? Je voudrais bien ne pas... Chut! Que se passe-t-il? N'as-tu rien entendu? Non, je ne crois pas. Je vais jeter un œil dehors. Fais attention à toi. Oh, ben ça alors? Qu'est-ce qu'il y a dehors? C'est la pleine lune. Oh, ça, ce n'est pas bon signe. Mais où t'en vas-tu donc? Mon bon Snoopy, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de grave. Ah, au secours! Au secours! Je suis dans un coffre de voiture! On me kidnappe! Où suis-je? Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Nicole. Et toi? Jean-Pierre, je m'appelle Jean-Pierre. Où sommes-nous, Jean-Pierre? Je ne sais pas, Nicole. C'était la pleine lune. Je faisais du camping avec une copine. Dans une tente canadienne, et soudain, je me suis fait kidnapper. Et je n'ai que 10 ans. Moi aussi, tout pareil comme toi. Sauf que moi, c'était avec un copain, dans une super cabane en bois qu'on a construite nous-mêmes. Et moi, j'ai 10 ans et demi. Et bien moi, on m'a assommé avant de me jeter dans un coffre de voiture. Et bien moi, on m'a pas assommé parce que je dormais déjà. Et bien moi, je sais même pas qui c'est qui m'a kidnappé. Et bien moi aussi, je sais pas. Tu es là, Jean-Pierre! C'est toi, Nicole! Yeah.
Ça va, Jean-Pierre? J'ai un peu envie de vomir, Nicole. Alors, elle a 10 ans et elle s'appelle Nicole. Et elle s'est fait pécho sous la tente. Une tente toute pourrave qui pue les yèpes. Alors, son blème, c'est que sa mère veut l'envoyer faire de la gymnastique rythmique et sportive. Non, ça fait mal au cul. Carrément. Et lui, c'est Jean-Pierre. Il a 10 ans et demi. Et lui, il s'est fait pécho dans une cabane en bois complètement bidon. C'est Jean-Pierre. Alors lui, son blême, c'est son bouille. Il a inscrit à la danse classique et ça commence en septembre. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? C'est chaud. C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Gardez le coin. Ah ouais, c'est chaud. Monsieur, où qu'on est là? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Vous vous situez actuellement au deuxième sous-sol du centre de métamorphose zombie. Secteur sud-ouest. Entre nous, on l'appelle le CMZ. Vous faites quoi au CMZ? On métamorphose les humains en zombies. C'est notre métier. Ouais, voilà. Ah, c'est cool. Ah ouais. Et monsieur, c'est vraiment obligatoire la métamorphose? Ah ouais, c'est mieux. Ah ouais, c'est conseillé. Et si on veut pas vraiment devenir des zombies? Et si vous nous laissez un peu de temps pour réfléchir à votre proposition? Et si par exemple vous nous laissez rentrer chez nous? Pour réfléchir chez nous. Eh hey, monsieur, c'est loin chez nous? Ouais, mais non. Vous en causerez avec nos collègues de la visite médicale. Vous verrez ça plus tard. C'est vous les nouveaux? C'est la visite médicale. Ça va bien se passer. Oh. Vous êtes vaccinés? Ah. Vous êtes mineurs? Ah bon? Pas de maladie, pas contagieux. Hein? Êtes-vous au courant de ce qu'il va se passer dans votre corps? On vous a prévenu pour la métamorphose? On vous a expliqué comment ça va se passer? Hein? Ah ouais. Le changement, c'est maintenant. Ça va laisser des cicatrices? Ça fait mal? Avez-vous peur d'avoir mal? Peut-être. Je sais pas. Alors, le bloc opératoire, c'est par là? C'est vrai? Veuillez me suivre. Qu'on fait? On se casse.
Qu'est-ce qu'on fait? On va par là. Ok. On va par là. C'est quoi? Action.